Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, notre Google Home, on va lui demander de connecter nos AirPods. Nos AirPods, pourquoi faire ? Pour gérer le Google Home, tout simplement, avec nos AirPods, les connecter au Google Home et avoir la possibilité de gérer la musique par des petites tapes sur les AirPods. C'est vraiment très sympathique. Et c'est vraiment très efficace. En plus, vous pouvez faire du sport. Avec donc l'AirPod droit, vous allez pouvoir mettre la musique en pause. Et avec l'AirPod gauche, vous allez pouvoir avancer dans les plages de vos musiques préférées. Tout ceci va pouvoir se faire grâce au petit bouton juste derrière votre boîte de AirPod. Il va falloir appuyer dessus une dizaine de secondes jusqu'à ce que la petite lumière à l'intérieur des AirPods se met à clignoter. Ici, on va appuyer donc sur le bouton et on attend à peu près 10 secondes. Je compte. Voilà, donc au bout de 10 secondes, la petite lumière clignote, ce qui veut dire que nos AirPods sont mis en mode appairage. On va pouvoir appairer les AirPods à notre Google Home et profiter des musiques. Vous allez pouvoir donc les mettre comme haut-parleurs par défaut et franchement, ça va être super. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche juste derrière le petit bouton s'abonner pour recevoir les notifications en temps réel. Allez donc, c'est parti pour l'appairage des AirPods sur Google Home. À tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc une fois que nos AirPods sont mis en mode appairage, on part de suite sur notre iPhone, sur l'application Google Home. Google Home, on l'ouvre. Ouvrir le menu, bouton. Une fois que vous ouvrez votre application, on va sur le bouton Appareil, bouton. Appareil, appareil précédent, bouton. On cherche la vignette Chambre bureau. On cherche la vignette de notre appareil. Et on part de suite sur les trois petits points à la droite. Plus d'options, bouton. Ce petit bouton qui s'appelle plus d'options. Plus d'options. Paramètres, bouton. Une fois que vous avez ouvert ce bouton, on créer va un groupe paramètres. Ouvrir paramètres. Une fois que vous avez ouvert paramètres de votre enceinte, on va chercher liste de voice map plus. Paramètres égaliseur. Enceinte par défaut. Sélectionnez une enceinte. Bouton. Enceinte par défaut. Sélectionnez une enceinte. Enceinte précédente. On valide. Bouton. Sélectionnez une enceinte par défaut. Lorsque vous demandez l'appareil chambre bureau de jour. Ici. Associer une enceinte Bluetooth. On bouton. Va sur associer une enceinte Bluetooth. Associer. Ici, on attend. Recherche pour commencer. Appuyez sur le bouton associé de votre enceinte. In progress. 1. Recherche d'appareil. Chambre bureau. AirPods de Christophe. Bouton. Ici, on voit donc. Appareil détecté. AirPods de Christophe. Donc, il vient de détecter mes AirPods. Je valide. Sélectionnez AirPods de Christophe. Une fois que vous avez sélectionné AirPods. Vos AirPods. Recherchez à nouveau. OK. Bouton. On valide sur OK. OK. Estompé. L'enceinte par défaut a bien été définie. Ici, on vient de définir nos AirPods. Sélectionnez. AirPods de Christophe. Bouton. Donc, les AirPods sont bien définis comme enceinte par défaut. L'avantage de connecter les AirPods, c'est que une fois que vous les avez paramétrés avec votre iPhone, moi, j'ai paramétré mon AirPod droit pour faire lecture pause. Et mon AirPod gauche sert pour avancer les différentes plages. Donc, une fois que vous avez fait cet appairage, vous pouvez utiliser les AirPods, utiliser la musique de votre Google Home dans vos AirPods. Tout de suite, on va le faire, on les sort. Alors, seul le son de la musique sera dans vos AirPods. Toutes les autres commandes, ce sera donc le haut-parleur du Google Home qui fonctionnera. OK Google, écoutez la musique. Ok, je mets de la musique sur Deezer. Mets le son à 100%. J'entends parfaitement bien le son de ma musique dans les AirPods et je peux donc gérer la musique sans parler à mon Google Home, ce qui est vraiment super parce que si vous faites par exemple du vélo elliptique, vous faites du tapis d'appartement,
eh bien, vous allez pouvoir écouter la musique. Et en fait, ce procédé avec vos AirPods, ça vous donnera la possibilité d'écouter la musique et d'avancer dans les plages sans dire le mot-clé que vous connaissez. C'est vraiment génial. Je fonctionne maintenant que comme ça à la maison pour écouter ma musique en silence dans mes AirPods. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine mise à jour Google Home qui, normalement, grosse surprise, va nous lire nos mails. À bientôt pour une prochaine. Salut à tous.